Eh bien, salut les Véneux, content de vous retrouver pour cette émission des SDLS. Après une semaine extrêmement chargée, très mouvementée, bah oui, parce que entre mercredi et jeudi, je suis monté à Nantes. Bon, faut être... effectivement, c'était un peu tendu, je vous avouerai, mais c'était pour aller découvrir une artiste qui se nomme Nimlette. Je vous mettrai les liens ci-dessous, c'est une peintre qui a fait son vernissage dans un haut lieu du métal de Nantes, que tout le monde connaît, qui s'appelle le Ferrailleur. Je remercie d'ailleurs le Ferrailleur, c'était génial, j'ai découvert le lieu, je ne connaissais pas, c'était au top. J'ai rencontré plein de personnes, il y avait les membres de Myreason, il y avait des membres du MSC, dont Pascal Gueug, il y avait Riku, qui nous a tenu toute la soirée avec son set DJ qui était vraiment terrible. J'ai rencontré Étienne Pelosoff, qui se trouve avec son projet Black Metal Jazz, que je vous conseille d'aller découvrir. Pareil, tous les liens en dessous. On a rencontré des membres de Ladlo, que l'on salue. On a rencontré les éditions Flamme Noire, que l'on salue aussi. On a rencontré énormément de monde. C'était génial. On a passé un très bon moment avec un excellent moment de partage. Et c'est ça qui est important dans la musique, le partage. Donc voilà. Découvrez Nimlette, je vous mettrai les liens en dessous. Cette semaine, je pense que vous avez dû voir aussi, mercredi, on a dévoilé le bandeau et la photo de profil du New Blood, le New Blood seconde édition. Donc, mercredi soir, on va vous annoncer la première partie de l'affiche. Je vous ai dit, c'est sur une journée et demie. Donc, mercredi soir, on vous annonce, allez, un petit exclu, toute la partie core de notre festival qui se déroulera donc le vendredi. Restez connectés, suivez bien les liens, vous verrez en dessous, pareil, abonnez-vous à la page pour être tenu informé de toutes les news. Donc je vous rappelle, ce sera mercredi prochain pour la première annonce de notre édition numéro 2 du New Blood Fest qui se déroulera le 14 et 15 octobre à Culhosenlin. La semaine dernière, je vous ai proposé de gagner l'album de Parleur et c'est Estelle Chevalier qui gagne cet album. Donc Estelle, dès que tu vois cette vidéo, tu m'envoies un petit message s'il te plaît et je me ferai un plaisir de te faire parvenir ton album. Cette semaine, je vous propose de gagner pour notre concours l'album de Alta Rossa. Void of Anira. Altarossa, c'est le groupe qui était en coup de cœur la semaine dernière, ça sort chez Sorsaton Records. Donc pour participer, c'est simple, il vous suffit de taguer, liker, partager. Bien sûr, laissez des petits commentaires, activez la cloche, abonnez-vous à notre page. Bref, faites tout ce qu'il y a à faire via YouTube, c'est important pour le référencement des groupes et pour le référencement de la chaîne. Donc voilà, je vous rappelle, cette semaine, on tente de gagner Altarossa. Vous m'envoyez ça, vous taguez, likez, partagez. Et je me ferai un plaisir de faire le tirage au sort et vous annoncer le gagnant ou la gagnante la semaine prochaine. Allez, on est parti pour les SDLS. Allez, on commence avec le punk et le core tout de suite. Et Scumfuck qui nous présente son album Ruthless Aggression. C'est du symphonique brutal deathcore américain et ça sort en indépendant. Chez Drakkar Entertainment, un groupe autrichien maintenant Silencer qui nous présente son album X, c'est du post-hardcore. On part en Allemagne maintenant, chez Out of Line Music qui nous présente l'album de Tragedy of Mine qui se nomme Aeon et c'est du metalcore mélodique death metal. Un petit tour au Canada maintenant pour découvrir le groupe Wolfric qui présente son album Clones. C'est du metal hardcore mélangé à du hard rock et du heavy. Ça sort chez Thousand Island. Le trash, le groove et le crossover maintenant. Et on commence avec Artisan qui nous présente son album The Stain of Life. C'est du thrash metal, ça nous vient des États-Unis et ça sort chez Sublevel Records. Chez Hell's Headbanger Records, on va découvrir le groupe Deathhammer qui nous présente l'album Electric Warfare. C'est du thrash metal et ça nous vient de Norvège. Allez, chez Blood Blast, maintenant on part aux États-Unis avec le groupe Haze of the Living et leur album Fear Comes Knocking, c'est du trash.
Encore du trash australien ce coup-ci chez Wormoldess. L'album c'est Thrashing Extinction et le groupe c'est Imprint. Brutal Death et le Grindcore maintenant avec le groupe Incremation qui nous sort son album Dilapidated Psyché. C'est du Brutal Death Metal, ça nous vient d'Indonésie et ça sort chez Dismembered Records. Un groupe australien qui sort son album en indépendant, le nom c'est Omnoid. L'album c'est 2202-2022, pas très compliqué, et c'est du Brutal Death Metal. Brutal Death ce coup-ci mais core avec un groupe allemand Gutrectomy qui sort son album Manifestation of Human Suffering et ça sort chez Unpetated Vein Records. On retourne en Indonésie ce coup-ci pour aller découvrir un groupe de Brutal Death Metal, Paraplexia, qui nous présente son EP Endless Demise in Depravity et ça sort chez Inherited Production. Le death, le black, le viking et le folk metal. On part en Pologne ce coup-ci avec un groupe qui s'appelle Bottlekopf qui nous présente son album The Jokes Are Over. C'est du death metal, par contre je suis incapable de vous dire le nom du label donc vous le trouverez en dessous. Dimorph, un groupe allemand, nous présente Lineal of Death, c'est du death metal et ça sort en indépendant. On retourne chez Inherited Suffering Records avec un groupe américain de death metal, ce coup-ci qui se nomme MLC Fade, et l'album c'est Apocalypse. Le groupe Eschaton avec son album To Zeus ou Fell, c'est de l'atmosphérique dépressive black metal, ça nous vient d'Ukraine et ça sort en indépendant. Flagras avec son album Loé, c'est du black metal, ça nous vient d'Allemagne et c'est en indépendant aussi. En indépendant, un groupe de death doom industriel sludge metal qui se nomme Inerse nous présente son album Void et ça nous vient d'Espagne. Allez, on part en Russie chez Coyote Records plus exactement avec un groupe de death metal qui se nomme Sadistic Demise et qui nous présente son album Cannibalistic Humanity. Screaming Savior nous présente son album Reveal the Unreal, c'est du symphonique black extreme metal, ça nous vient de Chine et ça sort chez Pest Production. En indépendant ce coup-ci ça nous vient du Chili, le groupe c'est Terror Society, ça, il présente son album There's No Tomorrow, c'est du death thrash metal. Un groupe de death metal originaire des Pays Basques aussi, Anatomy of Eye, nous présente son album The Lost Injured Session et ça sort chez Time to Kill Records. You
Allez, un EP américain chez Caligari Records, le groupe c'est Cryptum et le titre c'est Vile Emergence. Extinguished qui nous présente son album Vomitous Manifestation, c'est du death metal, ça nous vient de Finlande et ça sort aussi chez Caligari Records, c'est de nouveau un EP. L'album Sacrificial Chance du groupe Bestiality, il nous vient de Suède, c'est un EP qui sort chez Invictus Production et c'est du death thrash black metal. Maintenant, du Melodes qui nous vient de Suisse, qui sort en indépendant son album, le groupe c'est Bloodstained Ground, et l'album c'est Horrors of Withered Dimension. Brood of Hatred, qui nous sort son album The Golden Age, c'est du progressive death metal, ça nous vient de Tunisie, et ça sort chez Growth of Records. Allez, chez Wormholdless, maintenant un groupe de death metal grindcore finlandais, Catabolic, qui nous présente son album Beast Edge and Civil. Ceremonial Castings qui nous présente son album Our Journey Through Forever, c'est du symphonique black death metal, ça nous vient des US et ça sort chez Eisenberg. Allez, du post-industriel black metal américain ce coup-ci avec le groupe Dark Worship qui sort son album Flesh of a Sand chez Tartarus. Darkness Everywhere nous présente son album The Seventh Circle, c'est du death thrash metal, c'est un EP plus exactement et ça sort chez Créateur Destructeur. C'est pas bien. On part en Finlande maintenant chez Sakara Records pour un album de mélodique death metal groove metal avec le groupe Diablo qui nous présente When All the Rivers Are Silent. Allez, on retourne aux States maintenant avec le groupe Everson Poe qui nous présente son album The Night Country. C'est du post-black doom sludge metal et ça sort chez Trepanation Recording. Le Canada maintenant avec le groupe Fall of Stasis qui nous présente son album The Chronophagist. C'est du black folk metal et ça sort en indépendant. Allez, un groupe de death metal international maintenant qui sort son album chez Listenable. Le groupe c'est Fatal Blood Eagle et le titre c'est Indoctrinate. Le groupe Firn nous présente son album Frostwarts. C'est allemand, c'est du folk pagan metal et ça sort chez In-A Production. Le groupe Oti nous présente son album In Existence, c'est du folk metal biélorusse et ça sort chez Wormholdless. Un groupe de death metal américain maintenant, Incineratein, qui nous présente son album Disembodied et ça sort chez Blue Darkness.
Chez Rapture maintenant, on part au Brésil avec un groupe qui s'appelle Invisible Control et l'album c'est Sons of the Damned. C'est du death metal. Du black metal ambiant maintenant avec un groupe allemand qui se nomme Kampfeswut, j'espère que ça se prononce comme ça, et l'album c'est Deathbaden Schwarzer Jenseng. Ça sort en indépendant. Le groupe Lichblick nous présente son album Abker, c'est du black metal dépressif, ça nous vient d'Autriche et ça sort chez Immortal Frost Production. Le label Imperial Darkness Records nous présente un EP américain, ce coup-ci de black metal. Le titre de l'album c'est Ashes of the Traitor's Quartz. Et le nom du groupe c'est Malum Mortus. Allez, on part aux Pays-Bas aussi pour découvrir un groupe de black metal, Meslam Tae, qui nous présente son album au nom imprononçable chez Babylon Doom Cult Records. Vous retrouverez bien sûr les liens ci-dessus. Le groupe Sepulchral nous présente son album From Beyond the Burial Mound, c'est death metal, ça nous vient d'Espagne et ça sort chez Soul Seller Records. Chez Mighty Music maintenant, Svarza nous présente son album Cumble, c'est du folk metal danois. Alors on part en Suède maintenant pour un album en indépendant, le nom du groupe c'est Ultra Sylvan et le nom de l'album c'est The Sanctity of Death. Allez, on part chez Corrupted Flesh Records qui nous présente l'album Antichristian Douchebag, c'est le groupe Van qui le sort et c'est black metal suédois. Du mélodique black metal maintenant portugais qui sort chez Hardgate Records son album. Le groupe c'est Winter Moonshade et l'album c'est Eternal Hunting Charge. Le Stunner, le Sludge et le Doom et on commence avec le groupe Motivation qui nous présente son album The Infinite 8 Step to Power Money More. C'est du Doom Sludge Metal Hardcore, ça sort chez Seeing Red et c'est américain. Season of Mist nous présente un groupe finlandais qui s'appelle Shape of Despair et l'album s'appelle Return to the Void. C'est de l'atmosphérique funérale doom metal. Abraham qui nous présente son album Débris des mondes perdus, c'est du sludge post-metal, ça nous vient de Suisse et ça sort chez Pelagic Records. Allez, on part au Japon maintenant pour découvrir un EP en indépendant, c'est du Doom Death Metal. Le groupe c'est Burden of Despair, le titre c'est Desecration. Cobra the Impaler nous présente son album Colossal Gods, c'est du Progressive Stoner, ça nous vient de Belgique et ça sort chez Listenable Records. On vient en France maintenant chez Svart Records avec un groupe de Doom Metal qui s'appelle Deathbell et son album c'est Nocturnal Corset.
Le groupe Firebrazer maintenant nous présente son album Dwell in the Fox Tunnel. C'est du doom metal, ça nous vient de Suède et ça sort chez Riding Easy Records. Ebozagil, ou Ebozagil, je ne sais pas, nous présente son album Yossa, c'est du sludge stoner doom metal, ça nous vient de Finlande et ça sort chez Svart Records. On part aux États-Unis chez Life Force Records pour du doom sludge metal post-rock, l'album c'est Giving Up the Ghost et le groupe c'est Mountain. Smith & Svanson nous présente son album éponyme de heavy progressive doom metal. Ça sort chez No Remorse Records. Un album en indépendant, américain ce coup-ci, de doom shoegaze post-metal. Le groupe c'est Slain Souls et l'album c'est A Failed Exorcist. Le heavy, le speed, le mélo, le sympho, le hard rock avec Shadow of Steel qui nous présente son album Twilight 2. C'est du power metal, ça vient d'Italie et ça sort chez Underground Symphony. Chez Ossuary Records maintenant, un groupe de heavy metal polonais, Akila, nous présente son album Mankind Odyssey. Long time ago, we left our home and tears we'd reflect the views of the last home. Soon froze with us, full next feeling, yeah. Le groupe suédois Emetropia nous présente son album Equinox et du symphonique metal et ça sort en indépendant. On part aux Pays-Bas maintenant chez Part 78 Records qui nous présente le groupe Martyr et son album Planet Metal Head, c'est du heavy power speed. Un peu de symphonique power metal italien ce coup-ci chez Elevate Records, c'est l'album The Astral Gates Part 1, A Secret Revealed, et le nom du groupe c'est Chronosphere. Le groupe Death Dealer maintenant qui nous présente son album Fuel Injected Suicide Machine, c'est du power metal, ça nous vient des États-Unis et c'est Steel Cartel Records qui le présente. Rock of Angel Records nous présente un album qui nous vient tout droit de Suisse, c'est du heavy metal hard rock, ça s'appelle Enter the Light et le nom du groupe c'est Felskin. Le groupe Living Target nous présente Fire and Forget, c'est du heavy metal punk international et ça sort chez Warm All Death cette année. Allez, un petit album danois maintenant de heavy metal, ça s'appelle Soul Reaper, le nom du groupe c'est Metal Cross et ça sort chez From the Vault. Allez, on part au Japon maintenant pour découvrir un EP chez Iron Oxide Records, un EP de Heavy Speed Metal. Le titre c'est Heavy Metal Ninja et le nom du groupe c'est Metal Lucifer. Sirius Black qui nous présente Vengeance is Mine, c'est du power metal international et ça sort chez IFM Records. J
chez Dying Victims Productions, on nous présente le groupe Venator et son titre Echoes from the Gutter. C'est du heavy metal australien, c'est un album. Allez, un album indépendant qui nous vient des States, ce coup-ci avec un groupe de Speed Heavy. Le nom du groupe c'est Xil et le titre c'est Rip and Tear. Dernier titre de cette liste, c'est Muscle Bound 4, le groupe c'est Great Knights, c'est du mélodique Death Power Metal, excusez-moi, allemand, et ça sort chez Intony Records. Le Dark, le Goth et l'Indus, avec le groupe Apollinara qui nous présente son album Shadow and Sign. C'est du symphonique gothic metal, ça nous vient d'Ukraine et ça sort en indépendant. Inner Missing nous présente son album Dead Language, c'est du gothic metal, ça nous vient de Russie, ça sort chez Inversion Corp. Le new, le moderne, le prog, le post et l'alternatif avec Syndrome Neogenesis, c'est du progressive metal shred, c'est le lien de Suisse et ça sort en indépendant. Toujours en indépendant au Canada ce coup-ci. Un groupe de progressive metal qui se nomme Traylight et son album Chasing Daylight. Eight Bells nous présente Legacy of Runes, c'est de l'expérimental progressive metal, ça nous vient des États-Unis et ça sort chez Prophecy. Allez, Graphic Nature nous présente son album New Skin, c'est de l'alternative New Metal Metalcore, ça nous vient d'Angleterre, c'est un EP qui sort chez Red Records. Le dernier de cette série, ça sort chez Disorder, c'est un EP, le groupe c'est Lotus Throne, le titre c'est Hibernal et c'est d'industriel post-metal. Et les coups de cœur de la semaine, et ils sont au nombre de deux. Nous partons pour le premier, nous partons chez nos amis nordiques, direction la Finlande, et la découverte du groupe d'atmosphérique funéral Doom Metal Shape of Despair. Formé en 98, le groupe n'est pas un modèle de régularité en termes d'albums, mais a pour le mérite de présenter des opus de qualité. Ce n'est pas cette cinquième galette qui nous fera dire le contraire. Mais il aura fallu quand même attendre 7 ans et une démo pour présenter Return to the Void. Nathalie et Henri, les deux narrateurs des 6 titres, vont vous faire voyager à travers les forêts glaciales et le désespoir. Au travers de ces compositions, une chanson s'élève au-dessus des autres, le titre Forfeit, est une réussite en tout point, que ce soit musicalement ou même au niveau de l'interprétation. Shape of Despair nous récite une partition parfaite, pas de fausses notes pour Return to the Void, un album à posséder pour les amateurs de Funeral Doom. Vous retrouverez cet album chez nos amis français de Season of Mist. Vous retrouverez bien sûr les liens ci-dessous. Deuxième coup de cœur de la semaine, et on va partir en Angleterre voir Tuscar. C'est la grosse tarte qui frôle l'excellence, un chef-d'œuvre de Stoner Sludge Doom. Le groupe, formé en 2017, sort ici son premier album, qui donne suite à 3 EP qui s'étaient bien fait remarquer eux aussi. Et là, le duo arrive sans prévenir et nous balance Matriarche. Tout d'abord, voyons de plus près la composition de ce groupe, quelque peu atypique. Un guitariste, vous me direz que jusque-là, rien d'exceptionnel, mais alors le batteur-chanteur
l'est bien plus, croyez-moi. Tyler Hodges ne fait pas dans la figuration avec un jeu absolument redoutable et c'est un véritable métronome humain. Le groupe s'est imposé comme le fer de lance de la scène sludge britannique à travers des lives implacables à la puissance dévastatrice. Vous pourrez apprécier aussi quelques nuances à travers les 7 titres qui composent cet album, entre autres des passages un peu plus groovy, voire plus rapides, n'enlevant rien à cette atmosphère pesante que dégage le groupe. Quelques mélodies bien senties viendront aussi agrémenter cette superbe galette. Honnêtement, on tire là un des albums qui risque de marquer l'année dans ce style. Alors si vous voyez passer ce groupe en concert pas loin de chez vous, ruez-vous sur les places. En attendant, ne passez pas à côté de cet album qui finira de vous convaincre car au-delà des mots, il n'y a qu'en écoutant les titres que vous arriverez à saisir toute la dimension de cette œuvre qui paraît sous Riff Rock Records. À ne rater sous aucun prétexte, une bombe. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles sorties. En attendant, continuez à nous balancer du son, à nous partager des groupes. Continuez à être curieux et curieuses. Nous envoyons toutes nos bonnes ondes, bien sûr, à nos amis ukrainiens qui traversent une période de crise extrêmement atroce en ce moment. Voilà, il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas de mots assez forts pour les soutenir. Mais si cela peut les aider un petit peu, sachez que toute l'équipe de Metal Event se joint à moi pour les soutenir. Voilà. Allez, ciao !